Je m'appelle Baro Ousmane, et directeur de l'école de fond. Voilà, et je voulais dire qu'aujourd'hui on est vraiment content. Je parle aussi au nom des élèves, au nom des parents des élèves, au nom de l'APE. En tout cas, c'est vraiment une grande joie. Et ce n'est pas pour la première fois depuis 2016. Alors, on sait que vraiment, APA est en train de contribuer en tout cas, à la scolarisation, à la bonne scolarisation des élèves de fond. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 144. Et je sais que, comme vous l'avez vu, il y a des enfants même qui se plaignent déjà des maux de ventre. Des élèves de CP1, on sait déjà que ben, ce n'est pas des maladies. Et souvent, peut-être qu'ils n'ont pas eu à manger. Ou bien que bon, ce qu'ils ont mangé aussi, la qualité, la n'y est pas. Alors, c'est un plaisir pour nous d'avoir quelques sacs pour pouvoir accompagner ces élèves-là, vraiment qui nous sont tellement chers. Voilà, des élèves de CP1, des enfants de 6 ans, 7 ans. Il y a d'autres qui marchent, qui font 7 km, 8 km pour arriver à l'école. Et vous voyez souvent, ils sont mal accompagnés. Mal accompagnés, ça veut dire que le repas là même qu'ils apportent là, vraiment, et souvent on a du mal même à savoir s'ils peuvent les manger. Et nous-mêmes, en tant qu'éducateurs ici, bon, à plusieurs reprises, on est obligé de leur venir au secours. Alors, maintenant que nous avons l'appui de ASAP APA, je pense que c'est vraiment la bienvenue. Et nous sommes plus ou moins sûrs que l'année là va commencer dans la joie. Voilà, dans la joie, parce que vous voyez déjà l'ambiance que ça fait de voir les quelques sacs descendre du camion. Enfin, ils savent déjà que c'est pour eux. Et comme si on le savait, le matin déjà, on a fait sortir les marmites pour nettoyer. Et de quoi donner une motivation aux enfants. Et comme si on savait vraiment que vous allez venir. Vraiment, merci à tous. Ce n'est pas seulement les sacs. Nous avons des annales, des livres de calcul, des livres de lecture. Tout ça a vraiment contribué progressivement à rehausser le niveau vraiment de l'enseignement ici à fond. Et les résultats sont vraiment satisfaisants aussi au vu de la population, des partenaires. Je pense qu'en partie, tout ça est redevable de ce que vous